Lunez présente la plateforme CIDES-NG. Son ouverture concerne les étudiants du troisième cycle des études médicales. Ces outils accompagnent la montée en compétences et en responsabilité des internes dans le cadre de la réforme du troisième cycle. La plateforme CIDES-NG est le fruit d'un travail réalisé en synergie avec l'ensemble des acteurs nationaux concernés par le troisième cycle des études médicales. Cette plateforme est portée par toutes les facultés de médecine de France, ce qui représente plus de 40 000 internes, 44 DES et 34 UFR médecine. CIDES-NG accompagne cette réforme par une formation théorique en e-learning, un suivi de la gestion des stages, une validation des compétences et un outil de présentation des preuves et du travail réflexif. CIDES-NG, c'est un accès simplifié avec comme identifiant unique votre login et mot de passe universitaire. Pour les étudiants, c'est un accès à des cours en ligne interactifs via une interface simple et ergonomique. Un outil d'évaluation sur la qualité des cours. Un outil de suivi en temps réel de la progression, des outils d'auto-évaluation en ligne et des outils collaboratifs. Pour les enseignants, un outil de suivi de l'activité des étudiants et un outil de conversion en ligne des PowerPoints sonorisés. Une gestion administrative des stages simplifiée avec un pré-enregistrement automatique et sans déclaration à effectuer par les internes. Pour les étudiants, un journal de suivi des actes par stage ou global et un outil de signalement. Pour les responsables de terrain de stage et les encadrants professionnels, un accès au suivi des actes des étudiants, la mise en place d'une interface dédiée à l'auto-évaluation de l'étudiant et à la validation finale de son responsable de terrain de stage. Un processus de validation des stages en lien direct avec la scolarité. Sur le principe d'un fonctionnement agile, la plateforme est vouée à évoluer sous l'influence concertée des usagers. CIDES-NG est une plateforme robuste et sûre, prête à accueillir l'ensemble des étudiants et internes dès le 5 novembre 2018. Pour toute question ou retour sur la plateforme, contactez l'équipe de l'UNES